On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Il y a quelques semaines à peine, le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, accompagné de la directrice générale du Conseil économique et du DG de la ville, se sont rendus en Allemagne, à Berlin, au plus grand salon ferroviaire au monde. Pour parler de quoi? Pour parler de notre région en vue de faire du développement économique. Il y a quelques semaines, au cours du mois de septembre, délégation de Saint-Jean-sur-Richelieu du côté de Berlin au salon InnoTrans. On reçoit dans le fond les gens qui étaient sur cette délégation. On peut parler un peu des missions, des objectifs également, de ce qui en a résulté. Trois invités, d'abord le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu qui pilotait cette mission. Bonsoir à vous. Bonsoir Éric. Accompagné d'Erika Zoya, notre nouvelle directrice générale au Conseil économique du Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. Et accompagné de François Vaillancourt, qui est le directeur général de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Monsieur Fecteau, première question, pourquoi ce salon et qu'est-ce que Saint-Jean-sur-Richelieu est allé faire là-bas? Bien évidemment, on a participé avec l'invitation de Pôle logistique en transport, dont on est membre, donc c'est important. C'est un salon qui se tient tous les deux ans, donc c'est le plus gros salon d'instituts ferroviaires. On s'appellera pour les auditeurs que Saint-Jean a trois compagnies de chemin de fer sur notre territoire. On est à proximité de deux corridors importants, Québec-New York, Québec-Nouvelle-Angleterre. Et dans les coulisses, là, il y a beaucoup de mouvements à l'effet des industries, autant du côté canadien qu'américain, ce qu'on appelle en anglais « refurbishing », ça veut dire rénover autant des wagons de métro que des wagons de train. Donc, on voulait aller faire des contacts, se positionner. Aussi, là-bas, on a rencontré des gens intéressants pour le réseau électrique métropolitain de REM, évidemment. Ouais. Et en même temps, par l'entremise pôle logistique en transport, on a pu avoir des rencontres avec des délégués commerciaux du Québec à l'ambassade du Canada à Berlin, des joueurs importants comme Bombardier, Alstom, Deutsche Bahn, etc. Donc, on avait un cahier assez chargé. Puis évidemment, bien, c'est aussi, on s'est rendu compte là-bas rapidement, ils connaissent Montréal International Technopole Laval, mais la Montérégie et Saint-Jean qui en fait partie, il fallait qu'on y aille se faire voir et lui dire qu'on existait. Et aussi, bien, il y a une entreprise de chez nous, DLL, distribution Laurent Leblanc, qui était sur place. Donc, on a pu voir l'accompagnement, toutes les nouveautés. On a pu voir aussi qu'on était en retard sur les systèmes de transport, autant ferroviaire que métro, etc. Mais en un mot, c'était pour nous autres extrêmement constructif, de bons rapports. Et avec mes deux collègues, on a pu vraiment là, inscrire Saint-Jean sur le calendrier et les destinations, tout à fait. Bon, Erika Zoya, peut-être nous expliquer en quoi c'est important de se faire voir, d'y aller, de dire « coucou, on existe ». Vous dites également que souvent, dans ce genre d'événements, ou même en Europe, que les gens accordent beaucoup d'importance au fait que le maire d'une ville se déplace pour aller voir les gens. C'est quoi l'importance de ces rencontres? L'importance de ces rencontres, c'est vraiment de se présenter. La relation de que le commerce est en place au monde, finalement, c'est la chose la plus importante pour un développement, que ce soit un développement économique, industriel ou commercial, n'importe quelle typologie de développement qu'on veut, dans lequel on veut se positionner, on doit vraiment aller se présenter, aller se faire connaître, aller comprendre qu'est-ce que les gens veut développer aujourd'hui, comment est-ce qu'on veut se développer, est-ce qu'on est dans un bon point de la liste, est-ce qu'on a des opportunités à exploiter. Ça, c'est là, vraiment un des faits, je pourrais dire, importants pour une stratégie à mettre en place pour le développement économique aujourd'hui. Et oui, tout à fait, je confirme la présence politique dans ce cas de M. le maire, de M. Fecteau, est vue vraiment comme une, je pourrais dire, une proximité, un rôle de facilitateur de relations. Donc, le maire, la présence de M. le maire, surtout dans haute culture, comme en Europe, ça fait ainsi qu'on démontre vraiment qu'on est sérieux dans nos démarches. On démontre le fait qu'on est prêt aussi de nos démarches, de nos dossiers, de notre développement, et que quand quelqu'un veut prendre une décision, normalement dans la mentalité européenne, finalement, ou autre, le fait que le maire soit présent, ça signifie qu'on peut prendre des décisions. Ça signifie qu'on peut aller en avant.
On ne va pas avoir une machine bureaucratique lourde et longue à devoir entamer ou devoir faire face, finalement. Donc, pour eux, c'est figure de facilitateur. Figure de facilitateur, mais en même moment, c'est figure de, je pourrais dire, de se prendre en responsabilité de qu'est-ce qu'on fait. C'est une figure pour dire, je me prends en charge de notre développement, je suis là, j'y viens moi-même directement. C'est clair que M. le maire, son rôle est important au du moment. Monsieur le maire, il doit être là quand il y a des rencontres bien spécifiques avec des autres élus, des autres, comme on disait, on a été invité à l'ambassade canadienne à Berlin pour pouvoir parler avec le délégué commercial, pour pouvoir parler avec le consul, etc. Donc, oui, quand c'est le bon moment que Monsieur le maire doit présencer une délégation à l'étranger, il faut qu'il soit là pour faire comprendre à nos potentiels clients aux investisseurs, aux partenaires à l'étranger, que vraiment, on y croit en ce qu'on fait, on veut y arriver. Bon, François Vaillancourt, qu'est-ce qui vous a frappé ou marqué? Parce que c'était quand même un petit marathon, là. Évidemment, c'est, oui, un petit ou un grand marathon, c'est selon. Mais qu'est-ce qui vous a marqué de cet événement, de ces relations dont vous avez été témoin? En fait, je dirais l'événement saillant, où le constat le plus important, c'est que à l'étranger, les délégations tant canadiennes que québécoises n'ont pas tout à fait mesuré l'importance que les villes ont quant au développement économique. Il faut se rappeler qu'un peu moins de 2 ans, le gouvernement nous a donné ses responsabilités de développement économique. Pour la simple et bonne raison que toute entreprise, telle qu'elle soit, s'établit a priori sur le territoire d'une ville ou d'une MRC. Et c'est alors en investissant les villes de ses responsabilités, bien, ça va de soi qu'on a maintenant un rôle prépondérant quant à la venue d'entreprises qui voudraient s'établir chez nous. Et ce rôle est encore, je dirais, méconnu. J'ai eu la chance, je pense, de vulgariser au niveau stratégique l'importance que les villes auront dorénavant. Et on le voit d'ailleurs dans la prochaine mission. On sera accompagné par la déléguée générale du Québec, Arcachon cette fois-ci. Mais le délégué général qui a pignon sur rue à Munich, qui a une antenne à Berlin, ne comprenait pas tout à fait la raison d'être a priori de notre présence. Une fois qu'on lui a expliqué que c'était en fait la conséquence à la suite logique d'une décision gouvernementale et que de plus en plus les villes allaient nous émuler, bien, il a réalisé effectivement l'importance de sensibiliser ses attachés commerciaux quant à l'interaction qu'ils devront avoir dorénavant avec les villes. Et c'est la même chose pour Exportation Québec. Alors, aujourd'hui, on ne peut plus exclure les villes de l'équation. Oui. Donc, évidemment, oui, on le sait, l'abolition des CLD, bon, c'est assez récent. Donc, visiblement, les villes doivent prendre davantage de leadership quant à leur propre représentation internationale. Monsieur Fecteau, parlez-nous un peu de l'événement, parce que l'événement se déroulait dans un lieu quand même assez grandiose. Il devait y avoir évidemment des centaines, voire des milliers de personnes, des kiosques. Bref, qui étaient les autres participants à ce salon? Est-ce qu'il y avait d'autres villes, d'autres pays de représenter? Bref, quels étaient les gens qui étaient sur place? Bien oui, en fait, c'est une bonne question. Il y avait le Développement économique Longueuil qui était présent sur place. Le pôle logistique en transport, bien, c'est un mandat, c'est un organisme qui a un mandat du gouvernement justement pour travailler les créneaux dans ce secteur-là. Mais écoute, c'est immense, c'est 5 000 exposants. Divisé en deux groupes, tu as les industriels, des délégués, des élus qui étaient présents. Puis après ça, tu as le grand public. Mais si je ne me trompe pas, chers collègues, c'est quoi? C'est 250 000, 300 000 visiteurs là, qui ont parlé là-bas? Oui. Facilement, sur une semaine. OK. C'est 1,5 km sur 3 étages. C'est immense, immense, immense quand tu te déplaces. Les exposants, bien évidemment, des gros joueurs comme Alstom, comme Bombardier. Beaucoup de joueurs japonais, chinois. Il y a beaucoup de joueurs tchécoslovaques, dont les pays de l'Est, si on veut. Là. Et on était surpris de voir combien. Donner un exemple de grandeur, à l'extérieur, entre deux pavillons, des chemins de fer, là, des, euh,
pas des limousines, mais des locomotives, puis des wagons, il y en avait 600 d'exposés. Okay? On est à l'extérieur, là, tu sais. Et la technologie, quand on a été reçu, c'est Alstom et Bombardier. Écoute, lors de la réception chez Bombardier, sur l'heure du midi, il y avait peut-être 600, 700, 800 personnes. On était tous entassés. Là. Mais la technologie est présente. Puis tu vois, c'est surprenant parce qu'on a rencontré deux gens de la Caisse de dépôt qui sont sur le projet du REM, qui étaient là-bas. OK, tout le monde veut y participer. On a appris aussi d'Alstom puis de Deutsche Bahn. Quand on est allé visiter Deutsche Bahn, bien, on a eu une session de cette entreprise Kimeka. Ici, on parle de DHL ou Excel qui est ici. Donc, comment faire affaire pour nos entreprises? Parce que ça va à double sens. On a ouvert la porte là-bas, mais on a quand même dimensionné qu'ici, comment les gens vont être là. Puis eux, ils accréditent les entreprises pour 4 ans. Donc, tout le formulaire, ils nous ont donné, ils ont fait parvenir après ça sur clé USB, documentation, et ils nous ont offert même de nous accompagner. Alors ça, on a trouvé ça intéressant. Une anecdote rapide sur place, dans le kiosque du Canada, il y avait le kiosque Québec-Canada, puis j'avais un des représentants de DLL qui était là, puis moi, je suis en train de parler avec quelqu'un, puis je lui ai présenté. Ça fait comme un naturel pour moi de faire du maillage. Quand on est revenu à l'hôtel le soir, il dit, tu ne croiras pas ça, ça fait 2 ans que j'essaie de le rencontrer. Puis apparemment que c'était un bon, un bon fit. Comment on peut mesurer les effets d'une telle délégation? Parce que là, on comprend, c'est de la représentation, on l'explique, l'objectif, la mission et tout ça. Quels sont les effets qu'on peut espérer de ça pour nous ici, pour notre région, pour nos entreprises ou pour, à la limite, de futures entreprises qui voudraient s'installer sur notre territoire? Donc, comment on peut mesurer à court, moyen ou long terme les effets d'une telle délégation sur notre territoire en termes de développement économique? Alors, on peut les mesurer de façon, moi, je dirais tangible et non tangible. Mettons plus non tangible à court terme. Ouais. OK, plus tangible dans les longs délais, parce qu'on sait très bien qu'une démarche commerciale, ça prend un peu de temps pour être mise en place. Mais mettons qu'on avait différents objectifs, d'accord? Même seulement le fait d'avoir entamé des relations avec des autres entreprises, des autres villes, des autres similaires au Conseil économique d'aujourd'hui qui sont basés en Europe, ou des clusters, comme on les appelle finalement, que c'est des regroupements d'entreprises sectorielles, dans ce cas dans le secteur de transport, qu'on s'est présenté, qu'on a des similitudes. Donc, la première démarche à faire, c'est des suivis après les rencontres pour pouvoir dire on a des résultats dans l'intérêt de qu'est-ce qu'on a sémé, entre guillemets, pendant notre visite au salon et notre once. Et les effets, on les voit aujourd'hui, mettons, je vous dis, dès qu'on est rentré, les relations sont là, les gens sont de plus en plus intéressés à comprendre. Ils ont vu c'est quoi qu'on a comme infrastructure, comment est-ce qu'on est préparé, les avantages que le Canada aujourd'hui peut offrir à l'étranger comme un pays stable, un pays où on peut investir, un pays qui aujourd'hui permet à l'Europe de pouvoir abattre les coûts de production. Un pays tellement dynamique en ce moment où il y a tellement d'appels d'offres en cours et tellement de demandes de spécialisation. Donc, que ce soit un investissement, que ce soit un transfert technologique, que ce soit une collaboration ou même aussi la création d'une coopérative pour répondre à un appel d'offres, ceci, ce sont tous des résultats qu'aujourd'hui on peut avoir. On est déjà en train de travailler pour y arriver dans les prochains mois. M. Béancourt, quel est le regard que les Européens ont sur le Canada, le Québec, Montréal, Québec, mais la Montérégie ou Longueuil? Bon, M. Fecteau disait tantôt Montérégie. Bon, peut-être qu'à première vue, les gens ne savaient pas trop c'était quoi, c'était où. Mais après avoir discuté avec ces gens-là, quel est le regard qu'ils ont sur notre potentiel ici, potentiel de développement, potentiel peut-être aussi au niveau de la main-d'œuvre ou sinon même du marché à conquérir, qui est le marché nord-américain? Bien, en fait, je pense que pour d'aucuns, c'était un éveil quant aux possibilités de notre région. Il faut toujours se rappeler qu'on compétitionne avec les régions limitrophes dans la grande région de Montréal. Alors, le fait d'être là, d'exposer nos possibilités, les retombées aussi pour les entreprises, pour eux, c'était un éveil. Vous savez, aujourd'hui, d'une ville à l'autre, on offre à peu près tous les mêmes avantages. Ouais. Mais c'est l'écosystème économique et social qui est important, qui fait très souvent une différence, notamment au niveau de la qualité de la main-d'œuvre, au niveau du réseau scolaire,
au niveau de la rétention aussi des employés. Alors, nous, on a exposé ça, je pense, d'une façon excessivement éloquente, en leur disant que chez nous, bien, il y avait ces possibilités et surtout cet écosystème qui était là pour accueillir des entreprises. Alors, pour eux, ils ont découvert, je dirais, une région qui était possiblement méconnue. Et c'est pour ça qu'on se doit d'être là, on se doit de communiquer. Puis vous savez, on a la responsabilité morale, hein, dans la mesure où plus on a un apport économique important du niveau commercial ou industriel, moins la part fiscale chez le citoyen moyen va être lourde à assumer. Alors, si on veut effectivement préserver, protéger le contribuable de Saint-Jean-sur-Richelieu quant aux fluctuations des impôts fonciers, bien, on a tout intérêt à tirer et à bonifier notre offre économique pour les entreprises. Et si on ne le fait pas, si on ne va pas là, bien, on ne pourra pas avoir à accueillir de nouvelles entreprises. En quoi le positionnement géographique de Saint-Jean-sur-Richelieu peut être un avantage? On sait depuis longtemps, même à l'époque où vous étiez président de la Chambre de commerce, la région s'est battue pour avoir le prolongement de la 35, où il manque encore un petit bout là, pour atteindre la 89. Souhaitons que ça se fasse un jour. Mais tout ce corridor Montréal-Boston, Nouvelle-Angleterre, qu'on tente de développer, en quoi dans cette industrie ferroviaire, ça peut s'illustrer comme être un avantage? Bien, je dirais que, premièrement, je vais faire un peu de ménage à ce que François disait. C'est certain que la fenêtre, le pied à terre qu'on a mis là-bas, puis quand nous, on a vu toute l'envergure au niveau ferroviaire qui était là, puis le développement futur, le REM en est un exercice, évidemment, mais le vice-président du pôle logistique en transport nous avait mis la puce à l'oreille à l'effet que des commandes, autant de Boston ou de New York, comme je dis, le terme anglais, le refurbishing, le remodelage de ces wagons-là, et il y avait des commandes qui s'en venaient de façon assez, assez énorme. Si on regarde les industries installées chez nous, dans le 2 ans, on a eu un maillage avec Thermaco pour un bus électrique. Mais l'entreprise était venue voir, ces entreprises-là sont capables de prendre une partie de ces commandes-là à l'intérieur qui peuvent venir. Et nous, à l'heure actuelle, la beauté, c'est qu'on s'est informé. Dans ce processus-là, okay, on n'a pas la protection, ce qu'on appelle le Buy American Act, là, ne s'applique pas là-dedans. Donc, pourquoi qu'il y a une ouverture? C'est qu'au taux de change qu'on vit présentement, d'amener ça ici, puis on a 3 voies de chemin de fer pour les amener, de faire le travail qu'il y a à faire, puis d'y retourner, on est l'avantage. Maintenant, la même chose s'applique, Éric, pour nos voisins américains. Oui, quand j'étais président de la Chambre, j'ai eu le plaisir de signer cette entente-là avec Mme Bertrand de la Fédération des chambres de commerce. Maintenant, le succès, ça va être le suivi, puis constant. Puis, tu faisais un intérêt avec la 35, j'ai mis un communiqué qui est sorti aujourd'hui, là. Moi, je pense qu'on va y arriver plus tôt que plus tard. Tant mieux, tant mieux. Question de nature plus politique, donc vous n'êtes pas obligés de répondre tous les deux. Évidemment, ce genre de mission de voyage, on le sait, peut soulever la critique en termes de dépenses, dépenses de billets d'avion, de voyage, de chambre d'hôtel. Et même quand on regarde dans le passé assez récent, de mémoire, Gilles Dolbecq, je pense, est allé une fois en Suède. Je ne suis même pas sûr de ce que j'avance. À l'époque, M. Deschambault, à l'époque d'Orlicon, était allé en Suisse, parce qu'évidemment, l'entreprise était basée en Suisse. Mais quand on regarde au cours des 25-30 dernières années, je n'ai pas, moi, mémoire que le maire de Saint-Jean s'est déplacé à plusieurs occasions à l'étranger pour faire de la représentation. Puis on le sait, bon, le maire de Montréal ou le maire de Québec est appelé à voyager peut-être davantage. Mais dans un contexte aujourd'hui de mondialisation, et c'est correct là, que les gens regardent les dépenses liées au voyage, mais vous n'étiez pas encore parti que déjà, il y a des gens qui soulevaient la question, comment ça va coûter ce voyage-là? Qui va payer? C'est-tu la Ville? C'est-tu la MRC? C'est-tu le Conseil économique? Bref, comment on peut défendre politiquement ce genre de dépenses? Bien, moi, je veux dire, je suis très à l'aise avec la dépense, puis tu m'as souvent entendu parler d'imputabilité. Puis je dirais que pour le maire de Saint-Jean, bien, dernièrement, il y a eu des maires qui sont allés. Il y avait le maire de Matane, il y avait le maire de... On a eu une formation vendredi dernier, là. Je vais donner un exemple. La tuque, c'est pas gros. Cette mère-là là, a un projet de biomasse avec le bois qui traîne à terre. Il y a un projet d'un milliard. OK? C'est pas rien. Un milliard. OK? Ils sont allés en Irlande, ils sont allés un peu partout. Ils ont visité. Ça fait 2 ans qu'ils le font. La maire de Drummondville, M. Cusson, est continuellement en voyage. Puis,
Tu sais, Drummondville, comment ça m'agace, hein? C'est souvent dire Drummondville. Donc, si ça s'est développé ailleurs, ça s'est pas vu chez nous, puis je ne blâme pas personne, autre temps, autre mœurs, probablement qu'on n'aurait pas dû être 25 ans à ne pas être présent là où les décisions se prennent. Quand je suis rentré en fonction, c'était un de mes engagements, puis un autre de mes engagements, c'était le développement économique de cette ville-là, puis de l'amener où elle doit aller. Alors aujourd'hui, très à l'aise avec ça, on n'est pas en première classe, on n'est pas dans des hôtels de première classe à travers ça, mais tu mentionnes ça, puis par contre, quand on a mis, pendant qu'on était là-bas, qu'on a mis certaines photos sur Facebook, etc., bien moi, j'ai vu plus des commentaires, bonne chance, bonne poursuite. C'est sûr, puis pour moi, c'est un avantage. Les gens qui me connaissent assez bien, je ne suis pas nouveau dans le développement économique. Là. T'sais, dans ma vie, j'ai été industriel, j'ai fabriqué, etc. Donc, il y a peut-être aussi ce côté-là. Mais tant est-ce que les gens vont scruter puis vont poser des questions légitimes, mais moi, je pense qu'on va avoir des retombées. Si tu me permets, Berlin, c'est une chose. Arcachon, où on s'en va, là, on a des gens là-bas. On a Montréal et Saint-Jean qu'on expose avec 225 à 300 entreprises françaises. Et là, nous, là-bas, on a déjà au-dessus de 30 rendez-vous de prix, ce qu'on appelle des B2B, un à un. Là. Donc, on s'en va là, structuré, préparé, parce qu'on a donné un mandat à Casseur International. Ces mêmes gens-là qui nous ont emmenés ici d'Everywhere il n'y a pas longtemps. On commence notre visite en allant visiter les gens d'Everywhere à Paris, l'ambassade, les délégués. Puis après ça, on va rencontrer Mme Beauchamp et l'ancien premier ministre, puis Mike Johnson, qui nous accompagne à Arcachon, là-bas, avec Investissement Québec. Et là, qui fera partie de cette délégation? Nous trois, plus Mme Bégin. Plus Mme Bégin. Oui, parce que là, évidemment, on expose, c'est deux jours, donc, pendant qu'on est là, puis, Éricum a mentionné ça, le maire d'Arcachon a demandé d'avoir un dîner privé, je pense, avec des investisseurs là-bas, là, donc on va avoir un genre de tête-à-tête en même temps, donc ça s'annonce bien. Bon, question à la nouvelle directrice générale du Conseil économique du Richelieu. En quoi c'est important de voyager, de représenter l'industrie, de représenter la région à travers le monde, justement, pour assurer du développement économique ici? C'est important parce que moi, je pense qu'on doit être toujours en première ligne si on veut atteindre des résultats. Donc, la proximité de vraiment aller rencontrer les gens. On ne doit pas voir aujourd'hui, avec la mondialisation qu'on parlait tout à l'heure comme base de départ, le fait que nous sommes une institution, nous sommes des fonctionnaires, on attend des appels des investisseurs. Ça ne fonctionne plus comme ça. Il faut aller chercher, il faut aller créer notre opportunité pour pouvoir, avec nos entreprises, parce que moi, quand je me déplace un peu comme ambassadrice où je représente toutes mes entreprises. C'est pour cela que je suis en train de faire une tournée à chaque entreprise pour voir avec mes yeux, entendre avec mes oreilles, qu'est-ce qu'ils font, comment ils font, c'est quelle leur stratégie, où ils vont aller d'ici les prochains, je ne sais pas, 2, 3, 5 ans, quels marchés sont-ils en train de développer en ce moment. Pour être capable de, quand je me déplace, évidemment avec une stratégie de développement concernant nos créneaux de développement au Conseil économique, dans la région finalement, ce qui nous identifie aujourd'hui, c'est le fait d'aller chercher une opportunité, c'est le fait d'aller la construire une opportunité pour pouvoir enfin la ramener chez nous ou pour pouvoir donner une opportunité à nos entreprises de développer autre chose. Donc, que ce soit vers Saint-Jean-sur-Richelieu ou que ce soit vers l'extérieur, que ce soit du maillage local ou international, ça va être toujours dans l'objectif de construire quelque chose pour nos entreprises, pour toujours rester dans notre mission, que c'est celle-là d'accroître notre richesse. Dernière question, M. Vaillancourt, est-ce que c'est de l'argent bien investi? Tout à fait, parce que c'est cohérent avec la volonté d'aller chercher des revenus supplémentaires pour la ville. Ça s'inscrit aussi dans une rhétorique politique et gouvernementale. On a étayé un peu pourquoi. C'est le gouvernement qui nous demande dorénavant de s'impliquer dans le développement économique. Nos actions sont beaucoup mieux coordonnées et concertées dorénavant depuis que le développement économique a été centralisé au niveau de la ville. Alors, c'est sûr que ce sont des investissements qui vont être excessivement payants. À court terme, moyen terme, long terme, c'est de la diplomatie économique. Mais en bout de ligne, on doit toujours se rappeler qu'on le fait pour le citoyen, pour alléger le fardeau fiscal. Et si on n'y va pas, si on ne le fait pas, bien, ça va être une autre ville qui va nous damer le pion. On est fiers de notre ville.
On est fier de notre région et on a l'obligation de représenter notre ville à la hauteur des attentes de notre population. À vous trois, merci beaucoup. Et merci. Bonne prochaine mission. Merci. Oui, merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Salut, ici Alexandre Beaudoin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de boxe et de football. Oui, avec le président du groupe gym, Yvon Michel, et Marc Rémillard des Huskies. Alex, manquez pas ça. Jeudi, 19h. Télévision du Haut-Richelieu. Le projet Toutoui va tenir sa prochaine activité, sa deuxième en fait le 2 novembre prochain concernant la lecture sensorielle. Vous avez les détails à l'écran. Chaque semaine, on vous le dit, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu et ne manquez pas bien sûr le Télébingo tous les dimanches matin 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. À demain. Bye bye.